Ce week-end, le Palais des Congrès s'est transformé en temple des vapoteurs. Et comme dans tout bon tour de magie, il en résulte de la fumée, beaucoup de fumée. La cigarette électronique ou vaporette reste un objet suspect aux yeux du grand public. Ça se répand toujours plus en Suisse. Il y a un an, c'était très différent. Aujourd'hui, on en voit dans les gares, dans les villes. Il y a beaucoup de magasins qui ouvrent en Suisse. Ce qui me frappe, c'est que quand on fume à côté de quelqu'un à la gare, personne n'y fait attention. Mais quand on vapote, les gens s'éloignent parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. En effet, le vapotage est controversé. Des études dénoncent les substances toxiques contenues dans le liquide et le manque de distance face à cet appareil qui a fait son apparition il y a 15 ans seulement. Pour d'autres, la vaporette, qui reste moins cancérigène que la cigarette conventionnelle, représente une véritable solution à l'addiction au tabac. Reto Auer s'apprête à conduire une étude sur la vaporette pour l'université de Berne. La difficulté, ça a été l'absence de financement jusqu'alors. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique ou l'industrie du tabac n'était pas intéressée à investir de l'argent dans les vaporettes parce qu'elles sont dans le domaine public. En fait, la nicotine, on ne peut pas la patenter et puis les vaporettes non plus, elles ne sont pas patentables. Donc en fait, on est extrêmement content que le Fonds National Suisse ait reconnu l'importance d'étudier la vaporette dans une étude randomisée contrôlée, comme on le ferait pour une cigarette normale. Et c'est des fonds qui doivent venir publics, puisque l'industrie ne s'intéresse pas à ce genre d'études. La méfiance et le dédain que suscite la vaporette auprès du public, de la science et de l'industrie se répercutent dans la politique. L'ajout de nicotine dans les liquides était interdit en Suisse jusqu'au 24 avril de cette année. Philippe Poisson parle d'une non-politique du département de la santé en matière de dépendance à la cigarette. Il cite le cas de la Grande-Bretagne, qui a réduit son tabagisme de 20% grâce à la vaporette. Tous les fumeurs qui veulent arrêter de fumer et qui n'ont pas d'aide parce que les substituts nicotiniques ne sont pas efficaces, c'est un gros problème. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. Ils coûtent cher en plus, ces substituts nicotiniques. Ils ne sont pas remboursés. C'est vraiment, il n'y a pas d'aide pour sortir les fumeurs du tabagisme. Et le vapotage vient d'une aide qui est, pour ainsi dire, une aide autogérée puisque c'est vraiment développé par les usagers depuis une dizaine d'années. Et c'est incroyable qu'on mette des bâtons dans les roues à des gens qui veulent se sortir d'un problème qui tue quand même près de 10 000 personnes en Suisse chaque année. Alors, moindre mal ou bon bas retardement ? Le débat autour de la vaporette ne risque pas de s'essouffler de sitôt.